Salut à tous, bonjour! Rien n'est prêt! C'est la panique! Bon, attendez. Normalement, c'est bon, le son c'est bon, ça c'est fait. On va retourner une game. Westerplatte! La presqu'île où les Polonais sont retranchés. Une bonne mission de merde. Je récupère normalement un gros canon sur rail à cette mission. Je sais pas si je le garde de façon permanente. Dans le doute, on va le garder. On va. Voilà, on bétonnera. Ouais, je vais devoir débarquer. Mais je dois aussi appuyer l'attaque là. Il va me falloir de l'artillerie pour assouplir un peu les défenses. Il va peut-être me falloir aussi quelques tanks. Je vais débarquer les bisons. Mais en priorité, allez, on va mettre une unité de sapeurs. Sapeurs. Le problème, c'est que j'ai peur là, de me faire attaquer très fort. On va mettre du tank. Du tank, de l'infanterie en deuxième ligne. Voilà. Et le reste, là, ça va débarquer. On va débarquer. Hop, les panzers. Est-ce que je peux déjà les convertir? Non, je peux pas, malheureusement. De l'artillerie. Voilà. Les sapeurs. On va essayer. Ouais, on va essayer de tout bien débarquer. Le but va être de pas prendre trop de pertes sur le débarquement. Hein. Est-ce que je peux couvrir. Ouais. L'aviation va être importante. Les avions. Là, on m'a donné deux escadrilles. Le 31e et le 32e. 31-32. Le chat, retenez! 31-32, c'est les escadrilles qui m'ont été prêtées. Donc, je peux les perdre. On va essayer d'éviter. Et je vais pas amener tout de suite mes Shtuka. Mais on va nettoyer les airs très rapidement. Hein. On va nettoyer les airs. Ici, j'ai dû motoriser. On fera une deuxième vague. Ah, je peux amener que ça. Pardon. Ok, bon, bah, je vais virer les BF-110. Je vais virer les BF-110 pour amener plus d'équipement. Je vais avoir besoin d'infanterie. Ah ouais, je suis vachement limité en troupes. Hein. Je suis vachement limité en troupes. Hein. Bon, bah, on va voir. Hein. On va voir. J'ai aussi un support naval. J'ai un support naval de croiseur. Et on va essayer de faire avec ce qu'on a. Et j'ai 19 tours en soi, c'est. On va voir. Ok, tour 1. Je joue avec les dés magiques, hein. N'oublions pas. On va immédiatement désembarquer. Voilà. Voilà. On va. Faire un front propre. Le problème, c'est qu'il me semble qu'ici il y a un foutu sous-marin polac. Je veux surtout pas qu'il vienne m'embêter, le sous-marin polonais. Dans mes petites affaires. On va taper dessus très fort. Evade, c'est une blague. Il s'est barré. Et là, je vais venir commencer à marteler. Les positions défensives polonaises. Allez, un petit point 3. Est-ce que je serai coquille et je peux aller chercher les chasseurs? Je peux totalement aller chercher la chasse polonaise. On va faire ça. Moins 5, c'est pas brillant. Deuxième chasseur. Allez, avec. Déjà, on se débarrasse d'un chasseur. Et là, je vais aller chercher... Oh, le moins 7. Hermann et ses grosses ailes. Moins 6. Ouh, regardez, Bernd Braun. De la 16e escadrille de BF-109E qui vient de récupérer un plus 3 de défense. Ça, c'est cool. Okay. Je pense que c'était la mince force aérienne polonaise. Peut-être qu'il y a des avions qui arrivent en renfort. Mais pour le moment, on est pas mal. Je vais pouvoir continuer à strafe tout ça. Les TKS, on va essayer de pas trop approcher de la DCA. Et on va aller taper un peu tout. Hein. C'est plus perdu. Allez, moins 1, c'est pas brillant. Hein. On va embarquer les sapeurs. Très risqué ce que je fais là. Très risqué ce que je fais là.
Et là, on va venir attaquer. On va rester à bonne distance. On va venir engager. Il faut que je me débarrasse de ce foutu sub. Polak. C'est Rina, c'est elle. La valse des médailles qui commence, là. Et là, on va... Oh là là. On va venir taper le croiseur avec le cuirassé. Allez, à Fora. On va escorter tout ça. Il va être important de cuirasser pour le support après terrestre. Voilà. Donc j'ai récupéré, regardez. J'ai un Gustave. J'ai un gros canon. On va venir taper. Faire de la contre-batterie. Essayer de commencer à amollir les cibles. Allez, un moins 3, magnifique. On va essayer de se débarrasser de son artillerie. Voilà. On se débarrasse de ses canons. Parfait. Ça sert à rien d'attaquer tout de suite. Oh, quoique moins 3, ça se tente. Hein. Moins 4. Moins 4, moins 1, pas mal. Est-ce que mes sapeurs pourraient pas... Allez, mes sapeurs. Moins 3. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas... Ça passera au prochain tour. Moins 3. Ah oui, d'accord. Je lui ai fait zéro perte. Les dés magiques. Salut, Sir Templier. Je pète toujours la forme, mec. Bon. J'ai joué, hein, là, maintenant, je vais juste attendre, et là, on va serrer les fesses que... Oh, j'ai peur que son croiseur vienne taper, Ok. Oh là là! Oh, mes sapeurs viennent de prendre un moins 8! Là au moins on a muselé le sous-marin. Oh, il attaque mon cuirassé. Bon, je vais débarquer là en urgence. Je débarque en urgence. Hop. Là je vais attaquer. Voilà. Je vais envoyer mon Shtuka taper leur croiseur de merde là. Ouh, moins 4, pas mal. Et on débarque. Je vais pas débarquer de façon optimale. Mais ça sera déjà pas mal. La deuxième vague. Toute l'infanterie qui va suivre derrière. Voilà. Voilà. Et on va continuer à les matraquer. Là, on va essayer de... Allez, on dégage. On dégage les bunkers. J'aurais peut-être pas dû mettre autant de loups à feu. J'ai peut-être fait l'erreur de mettre trop d'avions. Mais on va pouvoir strafe. Hein. On va grignoter tout ça tranquillement. Voilà. Faire sauter les retranchements. Oh, moins 2! T'es sérieux? C'est moi qui devais lui mettre moins 2! Bon. Défense aggravée. Ça passe. Plus... Oh là là, regardez. Andreas Huber du 12e Panzer qui prend un plus 1 de défense. Ça. La valse des croix de fer qui commence. Ça. Ici, on va se débarrasser de l'artillerie. Voilà. Dès qu'il n'y aura plus d'artillerie de support, on commencera à être mieux. Comme c'est qu'il est. Allez, un petit moins 1. Et là, on va essayer de se débarrasser. On va taper les canons de chat. Voilà. Et on va préparer le terrain pour les sapeurs. Moins 5. Moins 6, pas mal. Moins 6, moins 2. Oh, le moins 2 était quand même moins cool. Hein. Sur les défenses aggravées que je prends dans la tronche. C'est insupportable. Allez, on va appuyer.
faire. Voilà, moins 4. Moi aussi, j'ai le droit un peu au bonheur avec les dés. Que dalle. Rien de nouveau depuis hier. Allez, hop. Allez, ça dégage. Afuera. Et là-haut, je vais me débarrasser de ce foutu seul. Enfin, si ça dégage. Et là, avec mes lourds, on va venir dégager l'escorte. Allez, ça dégage. Magnifique. Ah ouais, le fait qu'on soit limité en troupes, j'ai peut-être mis trop d'avions dans ma compo. J'ai trop de BF-109. Il faut que je me débarrasse de sa DCA pour pouvoir optimiser mes avions. Ah, la perte. J'ai mes petits 38T qui bossent bien là. Bon, je crois que je suis bon. Je crois que je suis bon normalement. Ok, non, ici peut-être que. Là, on va pouvoir faire du support naval, j'ai amené ma flotte, on va essayer de nettoyer tout ça là-bas. Oh là là, moins 1. Ouais, bonne chance, oh là là, oh, okay. J'ai assez affaibli son bateau. Oh là là, tout ça wipé. Je m'en sors bien. Allez, moins 3. À mon tour d'avoir un peu de chance avec les dés. Parfait. Et là, on va venir commencer à faire ça. On va amener la flotte ici pour supporter l'attaque là. Il faut que j'arrive à percer l'isthme. L'isthme le plus rapidement possible. Ici, je vais me payer le luxe de recompte. J'en complète, ouais, j'en complète. Tant pis. Ok, on a passé la première ligne de défense. Il faut que je me débarrasse de l'avion ici. Moins 2, putain, comment faire plus de dégâts? J'ai pas de batterie côtière. Un 3, je me sens bien. Il faut que je vienne supporter d'urgence avec mes tanks. On va nettoyer son infanterie là. Moins 4. Moins 3. Oh là 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 là. L'infanterie polonaise, elle est rugueuse. Allez, ça va. Là, on va avancer. On va se débarrasser de ça. Pas de dégâts, je vais venir refaire plein d'essence. Deuxième attaque. Allez, les gars, on va wipe ça. Et là, on va venir chercher la merde. On va venir chercher la merde. Oh non, j'ai fait un misclic. J'ai fait un affreux misplay.
que je recoupe bête comme ça, il peut me wiper. J'ai l'infanterie qui arrive en renfort. Tant pis. Je recoupe bête sous le feu, c'est pas optimal, mais ça va me permettre de pas perdre mon unité bêtement. D'être rapide, ils sont là pour prendre des coups. Ok, j'ai fini mon tour. Allez, non, peut-être que là on pourrait. Non, pas la peine. Oh là là, il m'emmerde avec son bateau. Oh, j'avais peur de ça, j'avais très peur de ça. Ok, oh là là, et mes bisons ont défendu incroyablement bien. Attaque de temps, moins 5. Oh là là! Ah ouais, j'allais pas avoir deux fois de suite de la chance. Ok. Ok, mon infanterie a survécu. Voilà. Bon, il faut que je me débarrasse de ce foutu navire là, de ce croiseur là qui m'en. Allez, casse-toi. Casse-toi. Ici, on va venir faire le plein d'essence. Et on va venir straffer tous ces connards. Génial, j'ai fait un score dégueulasse. Moins 2, allez. Et moins 4. Les as de la chasse allemande. On va pouvoir passer à l'attaque. Avec mes tanks, je vais venir me débarrasser des TPS. Voilà. Ouh là là, regardez, il y a un trou dans le dispositif. Oh, moins 7. Allez, on trouve un trou, moi je fonce. Hein. Faut jamais me laisser un trou ouvert, les mecs. Jamais. Allez, on se débarrasse de son artillerie. Hop, on amène l'artillerie et on va assouplir cette position de canon de pièces anti-char polonaise. Voilà. Et ça va préparer le terrain pour mes sapeurs. Moins 3, c'est pas brillant mais c'est pas grave. On va finir l'attaque avec de l'infanterie régulière. Voilà, ça wipe. On va venir attaquer les TKS. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde et je coupe le terrain. Je suis content de l'attaque là ce tour. On est en train de faire les pleins. Allez, un petit moins 2. Il a quand même des trains blindés. Ils sont déter les trains blindés. Bon, l'attaque ici. Mon infanterie s'est faite laver. Je vais la retirer du service actif là. Complètement. Et on va aller faire de le. Oh, les tanks. Ces tanks sont d'une imposture tellement ça fait mal. On va se débarrasser de ces canons anti-char ici pour laisser de la manœuvre. Allez. Moins 5, pas mal du tout. Voilà! Magnifique! De me battre contre les tanks, je vais taper les canons anti-char en def. Moins 5, il va peut-être se rendre. Hein. Il se rend! Magnifique! Ici, je vais chercher la merde. Je vais accepter de. Ah non, je peux pas prendre autant de pertes. Moins 4, moins 4! Moins 4, moins 3, c'est insupportable. Va falloir que j'y aille, hein. Prendre le risque, hein. Moins 4, moins 4. Tant pis, hein. Allez, hop. Moins 5.
Moins 5, moins 3, je m'en sors bien. Allez, moins 4. Grosse bataille de char. Très grosse bataille de char. Mais ça passe. Et on finit avec les 30 unités. Et je vais pouvoir avancer mon artillerie. Voilà. Pas mal. Bon tour. Bon tour. Allez. La contre-attaque. Il attaque les 38T. Oh, moins 6, mais 38T. Quelle bande de giga Chad. C'est des Renault R35 hein, qu'il a. Ok, il attaque mes vedettes, sa base, mal. Tape aussi fort que t'es con. Canon de char. Il fait mal, moins 1, moins 3, magnifique. Ici, ça se passe pas mal, hein. On va continuer. Hein. Oh, il recomplète, lag. Il recomplète ses foutus canons, j'y crois pas. Il se débarrasse de ses bunkers ici, ils sont extrêmement gênants. On les grignote. Et là avec mon artillerie lourde, on va venir commencer à taper en centre-ville. On va taper les docks. Allez hop. Ici je vais recompléter. Là on va faire un petit moins 5. Moins 3, c'est merdique. C'est merdique, mais on récupère des croix de fer. Je vais pouvoir avancer de l'infanterie. Voilà, et on va pouvoir exploiter. Plus d'artillerie. Voilà, on va découper tout ça. Allez, ça wipe. Je vais pouvoir aller occuper le terrain. Wiper l'infanterie. Incroyable. Il va pas se rendre, je pense pas qu'il va se rendre, il n'était pas en rouge. Non. Et visiblement, il pouvait se replier. On va faire ça, on va appeler encore plus. Magnifique, moins 2, pas mal. Et là, il prendrait un moins 4, très intéressant. 4, allez. Et là, on va avancer les tanks. Et je vais aller les wiper. Allez, vas-y. Bon, là, mon infanterie, elle est hors de combat ici. Ouais, j'ai qu'une unité de sapeur. Oh, mais je touka. Hop. Et là on va ramener, il faut que j'arrive à me débarrasser des canons de DCA pour pouvoir optimiser mon aviation. Le problème des canons de DCA c'est qu'ils se défendent bien. On va faire ça. Ah là il y a des... Putain il y en a trop. Il y en a trop. Et là je suis à la portée de la DCA malheureusement. Oula ici il faut que je... J'arrive à compléter. On va aller se débarrasser des TKS. Et les sapeurs finissent la position, superbe. Enfin, est-ce que j'accepte de prendre un moins 4? Ça fait cher. Si je vais recompléter, refaire le plein de munitions. Il faut que je fasse une pause tactique d'un tour. Ouais, je vais faire une pause tactique d'un tour, je peux me permettre. Je peux me permettre de faire une petite pause tactique, quoique là, le moins 3. Moins 6, c'était pas de chance. J'ai le droit au bonheur aussi un peu de temps en temps. Allez, ça wipe. Ouais, des fois, c'est en ma faveur, des fois pas. Ouh là là, là, le moins 5 sur l'infanterie à découvert. On va mettre quand même quelques petits coups de savate. Oh, j'ai très envie de tenter le moins 4, moins 2. Hein. Allez, je tente, je suis un idiot. Moins 3. Moins 3, moins 2, c'est vraiment pas brillant. Et là, je vais moins 4. Moins 4. Moins 1, c'est pas mal. Ouh là là, Klaus Schneider. Klaus Schneider du 9ème Panzer. En 38T, vient de recevoir un plus 2 d'attaque. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très 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 bon. Allez, on va straffer les positions anti-char. Là, on a recomplété.
Les canons de dessert font la gueule. Je vais pouvoir amener Herman et ses grosses ailes. Polonaise. Voilà. Là, à chaque fois que j'attaque, certes, je fais pas de dégâts, mais je leur enlève du retranchement. Parce qu'ils ont du retranchement. Là, ils ont 6 points de retranchement en ville. Ils vont être compliqués à déloger. Ok. Bon, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Tour sur. Putain, ça passe vite, tour 6, ça. La batterie côtière qui me met un moins 2. Il a tourné ses canons de sens, l'animal. Putain, j'ai déjà perdu 50% de ma force effective. Avec certaines unités de choc, là, c'est... Les pertes, elles s'accumulent vite, hein. Les pertes, ça s'accumule vite. Bon. Il faut que je me débarrasse de cette batterie anti-choc. Allez. Allez, wiper, je vais prendre l'aéroport. Je vais sécuriser l'aéroport pour mes avions. Et là, maintenant, je vais me concentrer sur la ville. Voilà. On va amener les sapeurs. Magnifique. Moins 7. Voilà. En plus, un d'attaque. C'est la valse des croix de fer. Thomas Hahn, du 39e pionnier. Du 4e pionnier, héros de guerre. Bon, ici, il faut que je me débarrasse de... Oh, 3, c'est de la merde. Bon, au moins, il bouge. Parfait. Je vais pouvoir le strafe. Voilà, mon aviation. Et je vais aller même faire le plein directement ici. C'est de la merde. Moins 4. Allez, on est en train de faire le ménage. On est en train de faire le ménage. Moins 4, allez. J'ai fait un misplay, bon, c'est pas grave. On en fait souvent des misplays, hein. C'est le but du jeu aussi. Hein. Ici, on va venir occuper le terrain. Moins 4, je prends. Hein. Oh, défense aggravée! Moins 6! Oh, le dé magique dans ma grosse gueule de connard, là. Et je prends des pertes en plus. Moins 2, hein. Ah là 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 là, les dés aléatoires, parfois on les déteste. Hein. Parfois on les déteste, hein, les dés aléatoires. Hein. Pas se le cacher, hein. Allez, j'ai presque ouvert l'isthme ici. Voilà. Ici, ça va pas être compliqué à faire tomber. Il faut que je recomplète. Je vais recompléter en mes sapeurs. Là, avec les camions, on va filer vers le nord. On va se mettre en place. On va essayer d'aller... Voilà, moins 2. Oh là là, les pertes à chaque fois. Moins 3, moins 3. Non, je ferai rien si je ne sature pas. On va amener l'artillerie. Voilà. Et là, on va venir se débarrasser. Voilà. Normalement, ça devrait passer, je pense, là. Magnifique. Allez, on prend la position. Et on va essayer de se débarrasser des canons canons des CA. Attends, les pertes. Moins 3. Tu te replies? Il se replie pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On amène l'artillerie. Je vais recompléter. Oh, Arvolt. Oh, je peux être la forme, mec. Hein. Toujours. Hein. Merde, c'est vrai que j'aurais pu amener mes avions ici. Faire un peu de straf. Allez hop. Et là, on va grimper, faire le plein d'essence là-haut, sur mon nouvel aéroport, flambant neuf. Ok, je crois que j'ai fini mon tour. Oh là là, son train blindé, il y a de l'artillerie dessus, ça commence à faire vraiment... Oh là là, mais... Ces foutues défenses là qu'il a, c'est... Allez, je récupère des croix de fer, mais...
Allez, moins 3. Belle défense des tanks. Ouais, j'aurais dû venir. Allez, les bunkers à 10 là. L'enfer à faire tomber. Hein. Moins 3. Allez, dans le rouge. Allez, magnifique mon infanterie. C'est mon infanterie slovaque en plus qui a fait le ménage. Hein. C'est même pas d'allemand. Hein. Allez, là on prépare ça. Allez, on va essayer de faire sauter le bunker ici. Voilà, moins un. Mes sapeurs ont complété. Ils sont pas prêts. Quel enfer. Bon, je vais recompléter mes tanks. Moins 4, ça fera l'affaire. Allez, un moins 5, magnifique. Là, un petit coup d'artillerie pour supporter. Mon infanterie va finir le travail. Voilà. Et on va recompléter. On amène le canon sur rail. Puis on a bien travaillé là. On a fait sauter tout le réseau de défense. Ici, il faut que j'arrive à... Il faut que je prenne la ville, hein, parce que là, c'est plus possible. Ah, y a pas de Brumbar. Y a pas de Brumbar en 39, pépère. Hein. Là, y a pas de DCA. On pourrait essayer d'aller... Ah, faire du straf. Faire des sens. Allez, White, magnifique. Et là, on va aller se mettre en position pour aller attaquer. On va se débarrasser du train blindé. Oh, mes tanks sont... Mes tanks font la gueule. Hein. Mes tanks ont pris cher dans les attaques, là. Moins 3. Ah, il a 2 de retranchement, le... Oh, et je le vois, il peut pas! Et je dois utiliser de l'infanterie. Et là, on va monter à l'assaut. On va aller attaquer son artillerie. On lui met un magnifique moins 2. Et là normalement, oh, ouais. Je vais pouvoir exploiter ça. Ah, j'ai pas la portée. J'ai pas la portée, j'ai été trop gourmand. J'ai été trop gourmand. Pas se complier. Tant pis, on va être prudent. On va pas jouer avec le feu. C'est l'enfer, hein. C'est foutu. Ces foutus trains blindés là, ils sont ingérables. Ils sont ingérables, ces trains blindés. Et j'ai déjà pris des pertes. C'est 1940, c'est ça. Hein. Là, on est qu'en 39, on est en 39. Oh, le moins 3! Terrible. Hein. Bon, là, par contre, on va se traf. Hein. Tant pis pour les pertes. Voilà, moins 1. Allez! Est-ce que les BF 110, moins 2, allez! Bon, mon artillerie. On va recompléter en munitions, en supply. Mon artillerie a tiré. Je vais amener mes P4 de choc. Ouh, un moins 3, pas mal. Mon cuirassé va réappuyer l'attaque. Voilà. Moins 2, je prends. Oh là là, vous avez vu l'opération, ça nécessite un tour entier pour me débarrasser d'un train blindé. Même pas, j'y arriverai même pas. Moins 2. Et je vais essayer de les finir avec mon infanterie régulière. Il a quasiment plus de munitions. Allez, wipe it. Le train est tombé. Je vais commencer à aller me farcir l'infanterie polonaise qui a changé la... Enfin, je vais recompléter. Je recomplète. Je fais plein de munitions. Et on va aller bombarder tout ça. Ça, magnifique. Hermann et ses grosselles. Ça va être un choix. Parfait. Et ici, on a percé.
Il faut que je me débarrasse de ces foutus bunkers. Là, on va grimper avec les croiseurs. Là, mes Slovaques. Là, c'est encore glorieux pour moi, les grandes victoires et tout. Allez, on met un gros coup de savate là-dedans. Ok, ça y est. Une bonne nouvelle, on a ouvert totalement l'isthme. On va pouvoir rejoindre le camp principal. En plus, je suis motorisé en partie. Ça va aller vite. Avec les camions et tout ça. C'est parti. Heureusement qu'il n'y a pas d'aviation polonaise. Parce que là, je fais une cible de choix avec tous mes convois alignés. Hein. Ok. Ok, ok, ok. Tour suivant. Parfait, pas de contre-attaque. Pas de contre-attaque, je vais pouvoir commencer à venir en contre attaquer cette foutue patrie côtière qui me taquine. Ah, c'est un très beau port motorisé, hein. Il y a tout là-dedans. Hein. Il y a du tchèque, du slovaque, du pétrois, du français, du bison. Ah, c'est folklore. Hein. Allez, alors, on va faire ça. La bestiaire, c'est totalement ma bestiaire. Et on s'abat, hein. La version là, on le croque. Voilà. On revient faire le plein d'essence. Stuka. Oh là là, le Stuka qui met un moins 3. L'attaque de rêve. On amène l'artillerie et avec les sapeurs, on va rentrer en plein. Moins 1, c'est pas brillant. Est-ce que ça passerait? Ça passe. Allez, wipe. Superbe. Oh là là. Mon infanterie régulière, on va amener de l'artillerie au support. Allez, un magnifique moins 3. Et au moins. L'infanterie polonaise, elle vient de sortir, elle a pas eu le temps de se retrancher de façon optimale. Je vais pas rentrer avec mes tanks en ville, surtout pas. Ça serait une grosse erreur. On va plutôt chercher à exploiter le terrain en dehors de la ville. Et là, avec mes unités mobiles. Voilà, mes motocyclistes. On va préparer le terrain. Eh, regardez! J'ai encore des mecs en calèche! Vous moquez pas. Ça va vite, ça va très très vite. Faut pas traîner, hein. Canon sur rail. L'infanterie régulière. Et il faut que j'aille jusqu'à là-haut. Hein. Jusqu'à warehouse là, chercher les dépôts. On va aller faire le plein d'essence. Ok. Normalement c'est bon. On va aller chercher les sous-marins qui traînent. 50% de la Wehrmacht, il était au mobile. 50% mec, moi j'aurais dit plutôt 90%. C'est... La Wehrmacht en 39, c'est comme en 14. Hein. Il n'y a que une très mince part qui a le droit à des véhicules. Hein. Les véhicules sont rares. Moins 3. Ouh, les batteries côtières. Les batteries côtières font vraiment mal. Hein. Moins 3. Moins 1, on prend. Il faut que je me débarrasse de ces subs. Même en 41, mais pendant toute la guerre, les mecs. Pendant toute la guerre, l'armée allemande est hippomobile. Les vélos ont aussi, bien sûr, mais pendant toute la guerre, on se déplace à vélo et tout. Hein. Bon, attendez, on va continuer à sabater cette foutue batterie côtière. J'arrive pas à la trouver, la batterie côtière, c'est infernal. Envoyer des sapeurs dedans, ils sont spécialisés.
Et là, si je fais ça, un moins 6, ça, les sapeurs! Moins 7, 42 gigachad! Et là, avec. Oh, hey, ils viennent de récupérer une croix de fer, là. Allez, on a tombé les batteries routières. Et là, on va pouvoir commencer à aller attaquer les positions. On va faire ça. Allez, on va aller strafe tout. Hein. On va tout aller strafe, là. Là-haut, on va aussi faire ça. Il y a beaucoup qui est en train de la poche de falaise, beaucoup de cadavres d'animaux sur les routes. Ouais. Énormément de chevaux et tout ça. Comme je dis, l'armée allemande est plus à la fin. C'est une armée qui est parfois plus proche de Napoléon que de que d'une armée moderne, comme on emploie ce terme aujourd'hui. En fait. D'ailleurs, ils mettent autant de temps que Napoléon à aller à Moscou. Il y a une raison à cela. C'est que le soldat, quand il est à pied, il peut faire un nombre limité de kilomètres par jour. Et bah, les Allemands arrivent à Moscou comme Napoléon. À peu près dans la même date. Les mecs ont juste passé leur temps à marcher. C'est très représentatif. Allez, moins 6, ça. Oh, ça passe pas. Ok, et en plus, un d'initiative pour Paul Koenig. C'est le cheval moderne, bien sûr. Mais le cheval a ses avantages. Est-ce qu'on n'irait pas... Allez, moins 4. Et là, je vais prendre un tank, on va aller le finir. Oh, je vais même pas réussir à le finir avec un tank. Allez. Ça passe pas. Insupportable, hein. L'IA, quand elle décide de vous chier dans la bouche... Oh, alors là, moins 5, j'y vais totalement, hein. Hop. Oh, moins 2. Et je me fais... plus un de mouvement, ça c'est très intéressant. Des médocs contre la fatigue. Oh, c'est pas. Ça a rien de l'utilisation des méthamphétamines de guerre. Le Panzer Chocolat 2, ça, c'est tout à fait commun. Hein. Pas de mythe de quoi que ce soit. Hein. Allez, on amène tout. Il n'y a pas de mobilité là ou pas trop. On amène l'artillerie en deuxième ligne. Par contre, les méthamphétamines de guerre, ça aussi ses limites. Tu peux faire marcher un mec pendant 4-5 jours drogué, mais il va être moins efficace au combat, et après il aura besoin d'une semaine pour s'en remettre. Et le corps humain a ses limites. Allez, on pousse. On pousse. Voilà. Ouais, tour 10, hein. Les Russes montaient au front. Alors, ils montent pas forcément au front. Les gens apprécient pas ce qui se passe parfois. Ils attaquent pas en voiturette, les mecs. Ils font leur liaison en voiturette. C'est-à-dire que quand une position avancée, ils vont pas prendre un BMP pour aller faire tourner l'effectif. Ils vont prendre des petits véhicules légers pour aller relever une tranchée, par exemple. Donc forcément, ils se font attraper par des drones, et puis les mecs vous disent « Ah, mais ils attaquent avec ça !» Mais bien sûr que non. Il n'y a aucun intérêt à attaquer avec des voiturettes. Par contre, les voiturettes, on en a aussi dans l'armée française. On prend des véhicules super légers et rapides pour simplement les déplacements sur le front. Comme je dis, il y a beaucoup de propagande, et les gens racontent beaucoup de conneries, en fait. Véhicules plus petits aussi. Oh, le moins 3! Ok. On va pouvoir continuer ici. On va aller attaquer là. On va commencer à amener, faire du dégât. Moins 2. Voilà, moins 3, magnifique. On va se débarrasser de ce sub. Et tour 11, faut pas traîner. Hein. Mais en fait, les quads, mais les quads, ils en utilisent aussi. Hein. D'ailleurs, il y a un général russe qui a été tué sur un quad il y a 2 semaines de ça. Sûrement pendant une tournée d'inspection, il s'est fait attraper par un drone. Voilà. C'est pas une question que les gens, on leur explique pas, en fait. On leur montre des trucs et on leur dit, tiens, regarde. Et s'ils connaissent pas, bah, les gens, ils disent, ah bah c'est vrai. Regarde, on te montre l'image.
C'est pas facile de remettre en cause si tu connais pas le sujet. Allez, on fait sauter le merdier. Là, on s'en débarrasse. Et... Et là, on va venir commencer à nettoyer ça. Allez, un petit moins 3. Je vais recompléter. Et avec mon aviation, on va venir. Allez, on se met ça. Moins 3. Magnifique. Magnifique. On ramène de l'aviation, moins 2. On pouvait pas m'en débarrasser de cette merde. Moins 3, allez. Dommage, c'est pas grave. Moins 3, moins 1, c'est acceptable. Là, je vais amener de l'artillerie là-haut. Mes bisons. Bon, je vais protéger l'accès. Je vais amener mon artillerie divisionnaire. On va se préparer à l'attaque. Pour le tour suivant. Là, je vais amener les sapeurs. Ah, j'ai pas la portée, la mauvaise blague. Là, pour le nord. Allez, je vais prendre des risques. Moins 1, c'est de la merde. Oh, ils se rendent. Oh, le pauvre. Bah ouais, le pauvre train blindé. Le son du jeu couvre ta voix. Bah oui, alors. C'est le bruit des explosions, l'atmosphère, le combat. On s'en fout de maintenant. Je vais baisser le son de l'ambiance. Voilà. Voilà. Bon. Tour 11, on est bien. Allez, on peut suivre. Moins 2, moins 2, j'ai plus de munitions pour me défendre. Oh, regardez, Klaus Lang qui prend un plus 1 de défense. Bah ouais, j'ai une armée de recrues en soi. Ça commence à prendre de l'XP et des traits. J'adore ce côté un peu RPG où vous allez commencer à spécialiser votre armée. Bon, là, on va pouvoir passer à l'attaque. On va essayer de se débarrasser de l'infanterie qui protège. On va lui mettre la sauce. Ils sont retranchés à 6. Oh là là, bah ouais, plus le jeu passe, plus les mecs sont retranchés, ils sont difficiles à déloger. Moins 1, c'est tout. Par contre là, je vais ramener du bison. Voilà. Allez, on les tombe. Moins 4. Magnifique, le sapeur qui met un moins 5 sans perte. Ça régale. On va continuer à ramener de l'artillerie. Et là, avec les motocyclistes, je peux pas exploiter malheureusement les points 3. Allez, ça passe. Que du bonheur. Et là, on va pouvoir aller mettre la pression avec les tanks. Direction l'isthme. Par contre, là, j'ai des problèmes. Moins 3. Bon, avec la louve à feu, on va venir les matraquer. Allez, on se débarrasse de la batterie côtière. Magnifique. On amène des Shtuka. Ouh, en moins 3 dans les bateaux. Magnifique. Ici, mon char est hors de combat. Je vais essayer de pas le recompléter. Je vais essayer de pas le recompléter pour pas perdre des points de prestige, vu que j'arrive à la fin de la mission. Et là, on va mettre la sauce. Et on va préparer l'attaque des sapeurs. Voilà, complète. On strafe. On fait sauter le retranchement. Voilà. J'ai mes
groupe d'assaut qui arrive. Moins 6. Oh là là, les sapeurs, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est fort, les sapeurs. Moins 5, on va wiper un coup de tank. Allez, casse-toi. Tour d'après, ça sera bon. On aura largement l'artillerie suffisante pour tout nettoyer. Voilà. Et là, il va me falloir 2-3 tours pour nettoyer là-haut. Et ben, faut pas traîner. Hein. Faut pas traîner. Faut vraiment pas traîner hein, sur ce genre de mission. Ok. Parfait. Ça se défend plus. Par contre, là, il a abandonné l'aéroport pour se retrancher en ville. On va les empêcher de prendre trop de... Regardez, là, il a 8 de retranchement. Le 8 de retranchement, là. On va mettre le paquet dessus. Avec la Kriegsmarine. On va leur faire sauter leur retranchement avant d'attaquer. Et on va aller prendre l'aéroport. On va amener les sapeurs. Tour suivant, ça attaquera. On va aller bloquer les chemins avec tout ça. On amène l'artillerie pour le tour suivant. Voilà, on sauce. Pas le pain, hein. On sauce. Moins 5, allez. Moins 4, ça prépare le terrain pour la grosse attaque du tour d'après. Eux, je vais les retirer du front. Mes 38T, ils ont plus trop de pertes. Je vais pas les recompléter. J'ai même de la bouffe à feu. J'aurais dû envoyer de la bouffe à feu avant. J'ai fait un misplay encore. On se replie. On se strafe. Venir attaquer à moins 1. Magnifique. Allez, plus 1 de défense, Sébastien Braun. Moins 2, manisme. Super. Et là, on va aller. Oh, il a pop des troupes. Ça, je déteste. C'est quoi les conditions de victoire décisive? Prendre tous les points de contrôle de la carte, les gros points de contrôle. Il me manque plus que celui-là en haut à prendre. 6 tours, on est large. Continue de pop des troupes, hein. Ça c'est chiant. Hein. L'IA qui pop des troupes parce qu'elle est considérée comme étant en mobilisation. Allez, ça dégage. Les sapeurs qui font le boulot. On amène l'artillerie. Voilà. Là ça passe crème. Et ça, les sapeurs ils sont faits pour manger les troupes en ville. Oh, moins 2, c'est pas juste ça le moins 2 que je prends là. Allez hop, moins 3, ça dégage. On va aller prendre ça. Allez, moins 4. Hey, on a coulé du bateau à coup de Panzer. Hein. Ok. C'est bien. Oh, ça passe. Moins 1, moins 5. Ça passe, on prend. Tour suivant. Ok, tranquille, tranquille. Là, je vais aller faire le plein. Si on va compléter le plein, là, mais en tout cas, je vais plus les engager. Je vais juste exploiter mon aéroport ici. Voilà. Allez, mange au moins 2. Ça, c'est des troupes. Non, ça, c'est mes soldats. Parfait. Allez, ça passe crème. Plus de défense, Michael Braun. Superbe. Allez, 3-2, on va commencer à lui faire des pertes à lui, là. On va essayer de se débarrasser de la batterie côtière. Et on est large, je crois. Et je crois pas que je me suis fait wipe. Je crois pas que je me suis fait wipe à cette mission. J'ai pas mal recomplété. J'ai pris des pertes. Allez, on vient prendre des points de contrôle. Tout ça, c'est du prestige qui monte. Hein. C'est... Voilà. Écoutez, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. J'arriverai pas à pousser jusque tout en haut là.
Je vais regarder les objectifs. Prendre tous les objectifs et détruisez les forts et les strong points. Faut aller détruire celui-là là-haut. Quel enfer. Quel enfer. Eh, faut pas se faire avoir. Hein. Est-ce que j'ai détruit tous les forts? Vraiment, oui. Normalement, j'ai détruit tous les forts. Allez, on va déjà amollir la cible avec les croiseurs moins 1, voilà. Voilà, moins 1, superbe. Superbe. Denitz et ses grosses ailes. Et là, j'ai amené le canon sur rail. Vous allez voir, regardez le canon sur rail. Ce qui fait hop. Et hop. Voilà. Pas mal. Pas mal. Herman et ses grosses ailes ont bien travaillé. Et normalement, on est bon. J'ai même fait un misplay. J'aurais pu aller prendre le point et me rajouter... me rajouter quelques points de prestige, j'ai... Bah, c'est pas grave, ça arrive. Victoire décisive, on la prend. On sait que plus tard, ça va devenir compliqué. Là, c'est encore les missions faciles. C'est les missions de mise en bouche. Ce qui m'inquiète toujours énormément. 16 septembre 39. Commandant, vous avez très bien géré la situation à Westerplatte. Vous avez fait en sorte que les défenseurs polonais n'aient pas le choix à part se rendre. À vous, devant vos tactiques supérieures, voilà. Et nous avons besoin de votre aide. Votre assistance est demandée pour l'avance finale sur Varsovie. Genre, on chôme pas. Hein. On chôme pas. Hein. 17 septembre 39. Et on me donne aussi le commandement. Je suis heureux de vous rendre compte que le pacte Ribbentrop-Molotov porte ses fruits, comme promis. Les troupes russes ont traversé la frontière russo-polonaise et vont garder les forces polonaises occupées à l'est. Voilà. On va avoir des unités de l'URSS, les mecs. Bon, on va pas la faire aujourd'hui. Hein. Oh, un Stuk 3 rejoint mon corps. Je viens de récupérer une unité gratuite dans mon inventaire. Ça, c'est cool. On est toujours content d'avoir des unités. Bon. Là, j'ai les troupes au nord. Un beau petit corps. Hein. Beaucoup d'aviation. Des tanks. Et moi, je vais commander l'assaut là sur Varsovie. Varsovie, voilà. Je vais arriver par le sud. Je vais arriver par l'ouest et le sud. Et là, j'ai des troupes russes. Regardez. Troupes russes. Il y a du T-26. Il y a du BT-5, il y a aussi un peu d'avion, et là-haut, oh, regardez le corps russe, du canon de 85, du 122, du P2, du T-26S, du BT-5, BT-7, des BA-10, de l'infanterie de conscrits, et je crois que dans mes objectifs, j'ai pas le droit de trop les saigner, d'accord? Prenez tous les objectifs et au moins 10 unités soviétiques terrestres doivent survivre, voilà. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, j'essaierai de faire deux sessions par semaine. De certaines missions sont plus rapides que d'autres. Là, j'ai pas envie de me lancer cette mission parce que je vais en avoir pour plus d'une heure facile. C'est comme là, ça, c'est une grosse mission. Aller prendre Varsovie. Oh, regardez Varsovie. Si le machin est pas bien défendu. Regardez, j'ai récupéré le canon sur rail. J'ai récupéré le canon sur rail. Le Giga Tchad. Ah, mon canon sur rail, il va être très pratique hein, dans ce run. Hein. Et je commence à avoir une belle troupe. Je pense pas qu'il y ait des nouvelles unités qui soient... Non, voilà, on est toujours... J'aime bien mes 38T, mine de rien, ils bossent bien. Ils sont mobiles et tout. Tu as capturé du matériel ennemi. Non, j'ai eu aucun message de matériel ennemi. Je crois qu'il faut attendre la campagne de France. Il faut attendre les campagnes de France et après pour capturer du matériel français et anglais. Là, le matos... C'est con parce que j'aurais bien aimé capturer du 7TP. J'aurais bien aimé capturer des 7TP pour les mettre à mes... À mon pool de troupes. Donc ouais, le terrain est merdique, il y a des marécages, de la forêt, il y a toute la boucle de la Vistule là.
Donc je peux pas attaquer par le nord ni contourner. Par contre, j'ai des pontonniers. Peut-être qu'avec mes pontonniers, je pourrais installer des pontonniers sur la Vistule et attaquer par le nord, faire passer des troupes par le nord avec mes pontonniers. On va essayer de... C'est jamais facile d'attaquer une ville retranchée comme ça. Il y a beaucoup d'artillerie derrière. Il y a de la chasse aussi, il y a beaucoup d'aviation. Je vais devoir nettoyer le ciel avant de faire quoi que ce soit. Il y a énormément de chasse, chasse polonaise. Ça va commencer à être plus compliqué. Hein. Tu hurles le chouan, putain, mais ce fantasme. Ce fantasme. Bon. Je m'arrête là. Save game. Grande campagne. Session 3. Varso. Tac. Puis on continuera. On va continuer. Hein. On va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Hein. Avant que je fasse de la merde. Vous avez vu qu'avec les dés magiques, il y a des très mauvaises surprises des fois. Hein. Attendez qu'on ait des unités qui fassent beaucoup de DPS et tout. Et les wipes vont arriver et je vais être très salé. Ce soir, je crois, j'ai pas trouvé beaucoup de monde pour jouer à COH. La Vipère est pas là, Youngstar est pas là, Chouan était pas connecté. Donc je ferai du. Je continuerai le run avec Erebor. Demain, demain, minute spatiale. Minute spatiale et en soirée, je lancerai sûrement le run avec les OF. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Et sinon, passez une bonne soirée. Bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Et moi, je vous dis à ciao, ciao, salut tout le monde.